at him. Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Un nouveau rendez-vous de football, Grégoire Margoton et Darren Tintulette aux commentaires. Bonjour Darren. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Et on rentre dans le vif du sujet. Wijnaldum, qui a de la liberté, c'est osé. Söderlund. Garay. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. C'est joué long vers le poteau de corner. Il était à deux doigts de reprendre ce ballon. Baba. Fellaini. Wijnaldum. Oh, Agüero. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Rotan. Garay. Rotan. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Voilà une bonne occasion de contre. Il y a peut-être un coup à jouer. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Oh, Cristiano Ronaldo, qui est le premier sur ce ballon? Danger repoussé pour le moment. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il tente de la jouer dans l'espace. Un ballon intéressant, l'interception au bon moment. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. On a deux équipes très prudentes jusque-là.
C'est jouer long, c'est dangereux. Oh, le contre, l'arme fatale. Et il jaillit pour prendre oui, ce ballon. Mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il joue dans l'espace. Fellaini qui veut se projeter. Söderlund, il allonge. La passe est précise. Il y a danger. Ça peut faire mal. Oh, c'est un arrêt important, ça. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. C'est quand même extraordinaire, la manière de faire tourner le ballon, le conserver. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Il s'échappe côté droit. Elle continue sa course. Un centre dans l'axe pour personne. Il parvient à centrer. Ander Herrera. À droite. Söderlund. Rotan. Belle passe lobée sur l'aile. Et bonne intervention. Le ballon sort en touche. Il centre, attention. Et la tête. Le gardien la relâche, il peut frapper. Oh. Là, il peut centrer. Il centre encore. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il est parti en direction du... Il frappe au but. Oh, quel bel arrêt. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Premier corner dans cette rencontre. Agüero. Ah, dommage, ça ne passe pas loin. C'est dégagé. Le ballon sort en touche. Oh, voici Fellaini. Rabiot. Qui a de l'espace. Quel timing dans l'interception. Voilà, un coup franc intéressant. Ça manque un peu de solution. Renato Sanchez en retrait. Pas tellement de solutions. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est joué long, attention. Allez jusqu'au bout. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Couillaté. Et si aucun but n'a été marqué, c'est surtout par manque d'efficacité. Oh, Agüero ! Renato Sanchez qui cherche à construire. Et ce ballon vers ses attaquants. Oh, voici Wijnaldum. Dans la surface, le centre. Quelle détente ! Ça s'est joué à rien. Ah ! Ça aurait pu faire mieux, je ne sais pas passer loin. On sait de quoi il est capable. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Ce ballon bien dosé, c'est bien dosé. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Garay. Rabiot. Söderlund. Oh, Agüero ! Ander Herrera qui récupère ce ballon. Il a pris tout le monde de vitesse. Une occasion, il tire. Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période.
Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Pas de surprise, pendant la pause, le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Passe interceptée. Un long ballon vers l'avant. Agüero. Il y va tout seul. Agüero. Oh, quelle parade! Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main. Bien joué. C'est joué long. Wijnaldum. Il joue dans l'espace. Il tente sa chance. Bien repoussé par le gardien. Ah oui, là c'était magnifique. C'est dégagé, loin devant. Alors, que va-t-il? Il frappe! Et le cadre se dérobe! Mais se dérobe vraiment! Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Garay. Il sonne la charge. Il file vers le but. La tentative. Oh oui. Et voici l'ouverture du score. Magnifique action ce but. Il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. Bien, ça fait 1-0. Je ne sais pas ce que le manager leur a dit à la pause, mais ça a marché. 1-0. On ne sent pas vraiment les attaquants concernés par le repli défensif. Non, mais à mon avis, ils ont surtout envie de jouer le contre. Oui, ça se titille. Wijnaldum. Tiwanzo qui peut construire. Il accélère côté droit. Quelle inspiration! Ça peut être dangereux! Ça passe à côté d'un rien! Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Fellaini. Repiqué dans l'axe, peut-être. S'il le trouve. Ibora. Pour un nouveau ballon récupéré. Oh, la frappe! Le ballon a frôlé le poteau gauche. Oh, c'était pas loin, ça. À peine quelques centimètres. Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Söderlund. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si? Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Fellaini. Oh, il a bien vu son coéquipier. Garay, qui a un peu d'espace. Ah, c'est mal joué, ballon perdu. Ibora. L'ouverture lumineuse. Oh, le petit ballon piqué. Oh, l'inspiration. Oh, but. Non, comment? Il croque maintenant une avance de 2 buts. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Tiwanzo vient peut-être de se mettre à l'abri. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Il joue en profondeur. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent.
Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. La passe dans la profondeur. Et c'est directement récupéré. Rabiot. C'était difficile comme geste. Fellaini qui cherche la faille. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Il choisit la profondeur. Un centre dans la surface. Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il cherche son coéquipier. Ça, c'est une interception parfaite. La longue ouverture sur l'aile. Rabiot. Un ballon intéressant. Oh, le bon ballon. C'est une occasion, ça. Oh, le but. Ils réduisent le score. Oh, c'était jamais facile, les face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. C'est super bien joué, ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. Il ne compte plus maintenant qu'un but de retard. C'est bien joué, ils sont de nouveau dans le coup. Il y aura d'autres occasions aussi, à condition d'être patient. Oh, le tacle superbe. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, ce jeu de passe, quel régal. La tentative. Ouais, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Baba. Fellaini. Quelle passe. Oh, Agüero. La frappe. Et quel manque de réussite sur son tir. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Tiwanzo qui procède à un changement. Un long ballon vers l'avant. Rabiot. Söderlund. Rabiot. Qui cherche la profondeur. Le bon jaillissement. Fellaini. Il décide d'allonger le jeu. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Couillaté. Et l'arbitre siffle la fin du match. Les joueurs vont évidemment être extrêmement déçus quand on perd un match comme ça. Par le plus petit des écarts, il y a toujours une énorme frustration. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Vous savez, la défaite, ça fait partie d'une saison. Le truc maintenant, c'est de rebondir, c'est de travailler, c'est de trouver des nouvelles réponses. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt.